De masse, mais il y a des convertis guéris. On a des chantiers en guéris qui disent quelles que soient les difficultés, je dirais vers Dieu, quitter le diable. C'est pas lui qui est la solution. Amen. On a chanté aussi embêté. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est quelqu'un, Dieu est merveilleux. Nous avons chanté un peu en tout là. Thank you.
Vous êtes venu avec qui? C'est qui est devant. Oui. Oui. Attends, Kamwa. C'est ma maman. Oui, je vois en elle un esprit de la sorcellerie. C'est ça que je suis en train de parler. Et je vois aussi quelque chose dans la vie de la cette vieille qui a su clair là. On aura l'occasion de régler ça. Veuillez vous asseoir. On reste tranquille. Je vous explique. Amen. On a Dieu nous donne cette capacité de voir des choses que vous ne voyez pas. C'est cela qu'on a été choisi pour régler ça. Amen. Voilà. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne vois pas. Et Dieu me donne cette capacité de voir et de connaître. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est en cela que on appelle le prophète. Parce que c'est un voyant. Voilà, celui qui a la capacité de voir des choses surnaturelles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et lui nous explique les choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Mais en même temps, j'ai une spécialité. J'ai un détecteur qui est dans ma tête. Voilà, je vis avec ça. Quand j'ai la sorcellerie, je sais. Je sais, et comme nous savons régler le problème de sorcellerie, on ne fait pas de ça un problème, un tapage, on va doucement. Mais le jour où j'ai dit quelqu'un est dedans, c'est qu'il est dedans. Ça ne m'a jamais trompé. Parce que j'ai vu Jésus me donner ça. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Jésus. Ici, on ne rejette pas un sorcier, mais on le délivre de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est un démon. C'est un démon. Quand on l'a, il faut que nous soyons délivrés de ça. Amen. 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 Tu peux avoir une mère sorcière, toi tu peux ne pas savoir. Et puis tu as raison, non, comme elle est sorcière, elle n'est pas sorcière. Sinon on était déjà mort. Elle allait nous manger. Vous ne savez pas ce qu'elle a vendu là-bas. Voilà, il y a tout ça. Vous devez savoir. Amen. Nous maîtrisons plus le problème de la sorcellerie que n'importe qui au monde. Parce que c'est nos spécialités. Amen. Pour d'autres jours, nous réussissons à délivrer les sorciers. Même les sorciers, c'est en 5 minutes qu'ils sont délivrés. En 10 minutes, ce n'est pas beaucoup. Nous combattons l'esprit qui est en eux. Parce que l'esprit de la sorcellerie, c'est un vilain démon. Quand on a ce démon, on ne mange que les êtres humains. Et la vie, là, c'est qui? Oui. C'est ma maman. Vous venez d'où? De Kanyoa. J'ai détecté aussi un truc bizarre là-bas aussi. Comment je fais? Je ne regarde pas le visage de quelqu'un pour dire tu es sorcier. Non. C'est comme appareil. Hein? Est-ce qu'on suit un peu ce qu'il fait? Okay. On sort au même niveau de formation pour tout le monde. Et quand on dit don, ça veut dire quelque chose que Dieu a donné. C'est ce qu'on appelle don spirituel. C'est pas physique, mais le don il est spirituel. Voilà. J'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre. Il m'a arrosé avec de l'huile. Il m'a mis assis ma tête. Ça, c'était dans le songe. Je ne pensais pas qu'il était arrivé parce qu'on se voyait, moi et Jésus. On s'est bien vu, moi avec Jésus. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que c'était un rêve. Or, pendant que je me réveillais, j'ai vu l'huile que j'ai vu dans le songe sur le matelas et sur le drap. Donc, j'ai paniqué. J'ai commencé à paniquer. Et j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui est resté dans ma tête. Depuis ce jour-là, ma tête voit à des distances. Au départ, ça me fatiguait. Oui, ça me fatiguait. C'est comme quelqu'un qui vient d'être opéré, puis vit avec un fer, on en a vivé un os, un fer dans le corps, quelque chose dont je n'ai pas habitué. Mais j'ai fini par m'habituer parce que ça fait des années. Ça fait plus de 10 ans pratiquement, bientôt 20 ans que j'ai ce don-là. Mais pour aider les gens. Amen. Amen. Pour aider les gens. Regardez les hommes. Les êtres humains, ils ont créé pieds. Détecteur de faux, n'est-ce pas? C'est pas ça? Amen. Il y a des détecteurs partout. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand vous partez à l'aéroport, j'ai un système de scanner. Si tu as la drogue, ça te prend. Ok? Même de l'or, ils ne sont pas comme ça, de l'or, il faut avoir le brevet. Si tu as de l'or dans le sac, ça te prend, c'est une machine. Tu fais bon, 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 tu cries, le gars dit, ah monsieur. Machine là, ça ne trompe pas. Non, 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 il y a quoi? On dit, viens. Quand on t'envoie là-bas, il y a 2 humains en vente. Oui? On te donne médicaments pour aller faire diarrhée.
Les dames ont pris drogue dans leur caca, excusez-moi. Voilà. Ils ont discuté. J'ai pas droit, on dit détecteur là, ça t'a pris. Lui, il se trompe pas. Et puis on dit tiens, médicament. Quand tu vas faire bonini, on prend les trucs dedans, drogue. Donc, si l'homme, en tant qu'humain, a cette capacité de faire des choses, c'est pas Dieu qui peut le faire. Nous sommes dans un environnement très dangereux où aujourd'hui il y a tellement de vilaines personnes, de méchantes personnes. Oh, moi je pleurais sur mon sort, je venais de perdre mon père. J'ai passé toute ma vie en train de pleurer. C'est ce qu'il dit aux gens. Moi j'ai vécu, j'ai grandi dans la douleur. J'ai grandi dans la douleur. Au moment où je vais prendre conscience, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma maman. Et après ça, c'est mon papa, ils sont venus manger. Un cabato, une sauce arachide, un tabou. Ils l'ont mangé. Voilà, j'ai fait ça pour me consoler, pour ne pas revenir sur les vieilles histoires. Et après ça, mon frère est mort. Ils l'ont tué. Et ma soeur est née, elle est morte. Et c'est comme ça que j'étais né à nez avec la sorcellerie. Et quand on m'a parlé de Jésus, pour moi, aller à l'église, c'est un peu de temps. Et j'ai posé la question, est-ce que Jésus... Bon, j'étais malade. Mes poumons étaient atteints. Et je me dis, mais est-ce qu'aller à l'église, c'est une solution? Parce que moi, je vois les gens chanter. Moi, je ne voyais pas les chrétiens sérieux. En fait, je suis né dans une famille musulmane. Donc, je ne voyais pas les chrétiens sérieux parce qu'ils dansent, ils crient. Chez moi, c'est Dieu, il est trop sérieux. Il ne faut pas faire ces conneries-là. Je suis moi-même surpris, agréablement, d'être dans le Seigneur. Parce que jamais, je n'ai jamais rêvé à attraper une Bible, aller à l'église, à plus forte raison devenir homme de Dieu. C'est pour cela que ceux qui critiquent Rasso, ils seront tous maudits. Amen. On dit aujourd'hui dans ces journées des papas. On m'a envoyé ça, n'est-ce pas? Vous savez pas ça? Pour nous, là, on a qu'à laisser. On a qu'à fêter pour le moment. Amen. Franchement, pour nous, là, laissons ça. Hein? Laissons pour nous, là. On m'a envoyé un message. Fait des paix. Personne ne sait. Ou bien, j'ai demandé à Armel aussi de lui envoyer. J'ai dit, moi, il ne connaît pas. Mais pour nous, là, on a qu'à laisser avec des frères de paix. On a qu'à célébrer nos mamans. Amen. Voilà, c'est intéressant, notre maman. On a qu'à laisser pour nous, là. Nos mamans, là, elles méritent ça. C'est pas jalousie, hein? Ou bien? Oui, la femme. J'ai dit toujours, la femme, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme. Amen. C'est pour ça qu'elle est mauvaise, elle est mauvaise propre. Qu'elle est bien, elle est bien propre. Voilà. Amen. Voilà. Le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'elle vient aider. Vous savez ce qu'on appelle aide? Qui me donne la définition de aide? Hein? Ça veut dire soutenir. C'est-à-dire, c'est très important la signification de la chose. Soutenir. C'est-à-dire, sans elle, il n'y a pas de soutien. C'est pour ça qu'il faut tomber sur une femme qui est vraiment aide. Il ne faut pas aller prendre une femme qui est armée dans la bouche et qui a toute l'armée russe, produire russe, faite décoller M24, 3024, 3024, et puis te stresser toute une nuit. Tu dors et pas. Vous savez que les gens n'aiment pas, l'homme n'aime pas qu'on parle trop sur lui la nuit. Parce qu'il y a des hommes, quand vous voyez, je vous donne un conseil, quand vous voyez un monsieur venir chez vous, votre mari, il a calculé dans sa tête, il calcule. Amen. Ne le stressez pas. Laissez-le dormir. Et puis il y a un moment de la nuit où tu l'as bien dormi, si tu le vois aller faire pipi peut-être, ou bien essayez d'étudier l'homme. Les gens, vous ne savez pas bien communiquer, c'est pour ça que le monsieur te frappe. Tu dis, bah oui, il y a des gens qui cassent leur bouche. Hein? Papa, mon mari m'a frappé. Il dit, c'est la bouche. Il dit, mais c'est bouche-là qui a mal parlé, il l'a blessé. Amen. Bon, c'est pas aussi bon de frapper une femme. C'est pas si intéressant. Non, c'est pas intéressant. Tu veux pas, il faut laisser. Sinon, la femme n'est pas prête pour être frappée. Mais la femme, sa bouche, c'est plus que revolver. Franchement. Elle n'a pas force. Pourquoi les gens déménagent? Il y a des gens, il y a un monsieur qui dit, non, ma fille m'est plutôt m'appelée. Elle dit, mon mari a fui. Ah, tu vois le monsieur, il ne peut pas fuir, il est en faux. Elle dit, mais j'ai dit, petit truc qu'elle m'a dit là. Elle dit, si j'étais moi, il allait fuir de la maison. Pour ne pas te frapper, il a préféré fuir. Amen. Donc la femme, c'est le plus gros cadeau. C'est ce que je disais, laissez-le faire de nous les hommes là. En tout cas, c'est les plus nos mamans. Parce qu'elle est aide. C'est pour ça que quand vous priez,
tomber sur la femme. La femme n'est pas faite pour avoir ton sang. Ok. Non, c'est pas plus. Le caractère de la femme, elle est plus douce. Elle doit être plus douce. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui a l'autorité. Il faut qu'on reconnaisse ça. C'est pour ça que moi, je combats beaucoup la légalité des sexes. C'est pas normal. C'est anti-biblique. On n'est pas égaux. Non. Il y a toujours un patron. Et puis, il n'y a pas dit qu'on doit maltraiter la femme. Non, et comprenez bien mon message. C'est-à-dire que dans la maison, qu'on reconnaît que l'homme est l'homme, le patron. Hein? Ça m'a bien saisi. Et que la femme comprenne qu'elle est venue pour aider. Ou bien, elle n'est pas venue près de l'homme, Dieu n'est pas. Dieu a dit que l'homme était seul. C'est ce qu'il a fabriqué la femme. Si l'homme était comblé et que Dieu a créé la femme, amen, bravo, mon Seigneur. Elle doit toujours jouer son rôle. Elle doit toujours aider, pas stresser. C'est ce qu'avant d'aller marier une femme, pour voir si elle est désarmée dans la bouche. Est-ce que la bouche a eu un désarmement? Ici, on désarme les bouches. Et la Côte d'Ivoire, DDN, n'est-ce pas? C'est DDN, non? C'est des sont de ADDN. Désarmement quoi? De quoi? Nous, on a désarmement pour la bouche. Là. C'est dans mon bureau ici. Quand tu viens, on te chasse ça. C'est pour dire quoi, les femmes, il faut bien regarder ce qui va te dire. Parce que pourquoi on dit la nuit porte. Vous avez bien compris? Ça n'est pas dit tu vas dormir, puis un conseil qui vient. Non. Tu vas dormir là. Il y a une femme qui est là. Parce que quand le monde a trop de problèmes, il explique ça à sa femme. N'est-ce pas? Oui. Il partage le problème. Ça le dépasse. Donc il faut ta mesure de donner des sages conseils. Ce sont dit la nuit porte. Voilà, à cause de la femme. C'est pour ça qu'il faut tomber sur une bonne femme. Tu es tombé sur une bonne femme, ta vie est prospère. Tu es tombé sur une femme qui est armée, qui est morte, elle va te recruter chaque jour, elle va te recruter. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, homme, aime ta femme. Pourquoi? Parce que généralement les hommes font souvent semblant, ils sont hypocrites comme matière d'amour. On ne les sent pas trop, mais ils aiment, mais on ne les sent pas trop. Or par contre, quand la femme commence à aimer, c'est fini. Elle est déclarée, elle n'a pas besoin de. Elle déclare. C'est pour ça que la Bible ne dit plus la femme aime. La femme dit, la Bible dit, retourne vers la femme pour dire sois soumise. Amen. Sois soumise. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est les conseils que je vais vous donner. Que vous voulez ou pas, les hommes restent chefs. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. Même si on porte pantalon ensemble, quelquefois les culottes, vous restez toujours femme. Comme elle. Tu dois toujours apporter de l'aide à ton mari. Et l'homme doit aimer sa femme. Ça veut dire quoi? Il faut la protéger. Amen. Quand on commence à aimer, on protège la chose qu'on aime. Ou bien? Voilà. Donc, quand un homme n'aime pas, il ne va pas protéger. Alors, il faut protéger ce qu'on aime et puis il faut entretenir ce qu'on aime beaucoup. Amen. 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 Donc, j'ai dit pour nous, là, on n'a qu'à laisser ça. Faites des papas, faites des. On n'a qu'à laisser. On n'a qu'à faire pour les mamans, là. Amen. Voilà. Parce que c'est plus intéressant. Quand vous regardez un peu la femme, vous savez, quand une femme commence à aimer un homme, elle prend le fardeau de l'homme. Si vous n'avez pas remarqué ça dans la vie, non, mais c'est la vérité. Si la femme, vous voyez que vous avez un problème, et puis ça n'inquiète pas celle qui est autour de vous, dans vos fiançailles, c'est pas la femme. Or, la femme, qu'elle commence à constater que ton visage a changé, que l'homme a un souci, elle prend ça. Amen. Voilà, c'est la vraie femme, ça. Elle soulève ça. Et puis la vraie femme, c'est celle qui devient mère. Ça veut dire dans la maison là, tout le monde est enfant, c'est elle qui est le père. Ça veut dire quoi? Il faut accepter, il faut encaisser. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Ou bien? Non, non, la Bible n'a pas dit celui qui veut être le plus grand, qu'il n'en garde le plus grand. Il dit celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus. Celui qui se rabaisse. Donc celui qui se rabaisse le plus dans la maison, c'est celui qui est le plus grand. Donc c'est pour ça que la femme, c'est la grandeur. Amen. Regardez une femme, son caractère, elle est beaucoup patiente. Parce que d'abord la grossesse. Amen. La grossesse, elle est patiente. Enfantement. Elle croit que l'enfant, là, il va devenir quelqu'un demain. Un mois, deux mois, oh, ça dit. Quand l'enfant commence à pleurer, il est fâché. Il va dormir dans le canapé. Oh, la maman a fait tout pour ça dit, elle va dire, mais ça dit, il est fâché. Ah, ton enfant, il crie trop. Il quitte le lit, il va dormir dans le canapé. Oh, la maman est là. Doucement, doucement, doucement. C'est pour ça que quand tu maries une femme qui devient mère,
C'est-à-dire que c'est tes problèmes deviennent tes problèmes. C'est une bonne femme. Et puis je n'aime pas les gens aussi qui aiment toujours dépendre des femmes. La femme doit dépenser, si tu trouves, c'est de la sorcellerie. Quand tu es une femme, il faut te battre pour elle. Tu te battes pour l'entretenir. Tu te battes pour la protéger. Il ne faut pas faire comme mes parents à côté. Ils t'ont donné 10 000 francs en mariage, c'est pour toute la vie. Lui, il vient, il doit manger son taux. C'est la plus sorcellerie. Il ne demande pas où ça a aidé, tout son nom, où elle est partie pour faire sauce arachide, où elle est partie faire sauce graine. Lui, il s'en fout. Il a une sauce graine, oh. Il mange. Parce qu'il t'a donné 10 000 francs là. T'es dans une foyer, il faut te débrouiller. Hein. C'est pour toute ta vie. C'est de la sorcellerie, ça. Oui, amen. Oui, il faut aimer la femme. Et quand on aime la femme, on n'aime pas la voir dans la difficulté. Il faut par moment l'approcher. Il faut par moment. Nos films là vous a gâté. Les films augmentent à 19h. Ça vous a gâté la tête. Ça fait que vous devenez bizarre, nous. Vous faites façon bassin, nous. On ne peut plus vous parler. Vous êtes bizarre. Sinon, nos mamans en vont là. C'est le vrai amour. Amen. Pour avoir ça maintenant, c'est rare. Si ce n'est pas Jésus qui t'a délivré, c'est difficile. Je vous dis, si vous voulez vous marier là, il faut avoir le comportement d'une bonne femme. Sinon, vous ne pouvez pas venir nous emmerder ici. Hein? Moi-même là, depuis, les hommes ne regardent pas. Les gens ne regardent pas. Hein? Tu fais comment toi, tu ne regardes pas. Parce que le monsieur qui va venir te prendre en mariage, il va d'abord regarder ta bouche. Le comportement, on n'a même pas n'est pas qu'une enfant. Ou bien, alors tu prends comme ça dans la rue, viens te déposer dans la maison. Le mariage, ce n'est pas les rapports sexuels, excusez-moi. Ce n'est pas un message, je t'aime, il y a longtemps, hein? Oui, il y a longtemps, hein? Bisous à la fin. Oh. C'est pas ce qu'on appelle mariage. Mariage, c'est s'aimer. Se supporter dans les moments difficiles. Parce que ce n'est pas tout ce qui est rose dans le foyer. Il y a des moments où on parle mal un peu. C'est normal parce que c'est les caractères qui ressortent. Mais on apprend à s'accepter. Et puis on apprend à aller comme ça. Comme ça que quand tu veux avoir une bonne femme, c'est le comportement. Quel est ton comportement? C'est en fonction de ton comportement que Dieu te donnera l'homme. Il ne faut pas parler de ta forme. Tu es belle. Mais si l'intérieur est pourri. Il peut aller marier une femme et puis le voisin peut l'embrasser à chaque moment. Tu voyages, tu es inquiet. Ton cœur bat. Et le voisin va se servir. C'est de la suce au Seigneur. Tu ne restes même pas ton mari. On n'est pas délivré de ça. Déjà même, tu as déjà 3-4 copains. Toi, tu maries comment? Il y a une fille qui dit, le vieux, ça va? Vraiment, ton message, tu as prêché là. On m'envoie des messages. J'ai 3 copains. Mais comme tu es un voyant, voici les noms. Il n'y a qu'à choisir qui. Il dit, tu es sorcier. Ben, moi-même, je ne peux pas accepter. Donc, tu as dit, tu trompes chacun. Personne ne sait que tu as 3, tu as 3. Et puis, moi, quand je viens te dire, toi, tu ne connais pas. C'est qui est bon? Amen. Amen. Il avait choisi là. C'est moi qui va venir choisir. Toi-même, tu vois. Dieu a donné les yeux et puis le cerveau. Tu as la capacité de réfléchir, la réflexion, et les yeux, tu regardes. Ce qui est bon, c'est ce que tu prends. Je lui ai dit, mais ma fille, quand on va dans le magasin, c'est moi qui viens de choisir un habit pour toi. C'est pas mal de parler. Chacun regarde et puis dit, ah, il apprécie. C'est pour ça que la Bible dit, fais des ténèbres et des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur veut, là, c'est ce qu'il donne. Donc, ils n'ont pas besoin de beauté, mais c'est bon aussi. Ça aide aussi. Oui. Ah, elle est comme ça. Ce n'est pas bien belle. Excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de mal parler. Tu dois t'abuser d'avoir l'air. Chacun sait où il a grandi. Ou bien, chacun sait dans quel milieu il a grandi. Chacun sait dans les milieux dans lesquels il a évolué. Amen. Vous savez que la tradition bété n'aime pas les vieilles personnes. Vous ne savez pas? Si. Voilà. Non, je vous explique maintenant. Je vous explique. Chez nous, chez les bété, on peut aller prendre quelqu'un qui est beau, venir simplement faire des enfants dans la famille. Parce qu'on veut la reproduction de cette beauté-là dans la famille. C'est ça, chez nous, chez les bété, il y a des baillons. Amen. C'est chez nous. Amen. 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 Je ne suis pas en train de mal parler. Je suis en train de vous aider un peu. Je vous dis, ça dépend du milieu où vous. On a grandi. Or, quand tu vas venir en présenter là, la famille, là, la famille va te tenir compte de ça. Souvent, ça ne compte pas, mais c'est important. Tu peux demander à Dieu, l'intérieur n'a qu'à être bon, mais le visage aussi n'a qu'à être joli. Dieu peut te donner. Il y a un magasin de Dieu, il y a tout là-bas.
On dit amen. Vous dites quoi? C'est vraiment important de célébrer la femme parce que la femme, elle est mère. Quand elle commence à aimer une personne, vous allez voir tous les coups, toutes les difficultés, les gens qui ont chuté, les gens qui ont été détruits, tout est passé par la femme. Mais les bonnes choses sont passées par la femme. De toute façon, le diable aime toucher les bonnes choses et Dieu aime bénir les bonnes choses. C'est comme ça si le diable aime toucher les bonnes choses. Ça vous dit quoi? Il faut savoir ce que tu veux. Ton corps qui est là, il faut savoir ce que tu veux avec ça. Amen. Amen. Si moi n'a pas venu t'embrasser, et il t'a pas venu faire ça, pour s'il va venir, et puis toi, tu vas venir me donner gnéni, gnéni. Hein? Chez nous, on appelle ça l'omloudi. L'omlou. Quand on suce l'orange là, on ne jette pas après. Hein? Mais les gens ont été sucés, sucés, sucés. Et puis ton gnafou, gnafou, tu vas venir, venir à l'église. Seigneur! Seigneur, qui va te regarder? Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Oh, il t'a déjà pris sucre là. Ils ont tout pris. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui est resté qui est bon. Ils ont tout pris. Maintenant, tu as l'église, tu es écrit, on est sorcier. C'est toi qui combats les mariages. Que Dieu nous aide. Amen. Je vous dis, il faut te prendre au sérieux. Si tu commences à te prendre au sérieux, Dieu positionne un homme. C'est tout. Mais tu vas venir avec quelqu'un. Et puis tu viens à l'église, Seigneur, donne-moi. Dieu est malade. Hein? Dieu est malade. Oui. Hein? C'est pas tout ce qui vient à l'église qui sont bonbons. Où on trouve tu Katé? Ah, l'église là, c'est le garage de l'homme. Ah, vous savez pas ça? Tous les gens sont bizarres. Souvent, j'ai dit, Seigneur, j'ai tous les monstres, tous les gens bizarres, aide-moi à les aider. Ah, vous savez pas? Cette église là, c'est là pour. Les gens sont mauvais. Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu pour les ceux qui sont saints, mais pour les pécheurs. Mais des pécheurs. Vous comprenez? Donc, pécheurs, il a dit quelqu'un qui est mauvais. Donc, l'église est là, c'est le garage des gens bizarres. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les pasteurs. On a affaire aux gens qui sont bizarres. Des monstres. Il faut les transformer. Chez nous, c'est des monstres. Tu as mangé, oui. Combien? J'ai mangé 500. J'ai mangé 500, oui. Tu fais comment? J'ai fait sauce arachide, jungle, blala, tigliti. Toutes les sauces. Souvent, on braise. Tout le monde s'arrête, j'ai bien rouge. Chef d'un vert, chef d'un jaune. Et puis tu es obligé de délivrer la personne, elle devient normale. Voilà, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, tant que Dieu nous aide. Parce que l'église est faite pour les mauvaises personnes. Pour ça, il faut faire attention. Il faut tomber sur la personne qui est bien. Amen. Amen. Pour ça, je vous dis, le corps que vous avez là, ce n'est pas pour n'importe qui. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Amen. Voilà. Il y a des choses qu'on trompe. Tu penses que les élus aiment la tâche pour là. Et puis, Seigneur. Et cet esprit. Oh. Sorcier. Vous voulez blaguer les gens ici. La télé pour là. Moi, ça me prend plus. Le cet esprit. Sorcier. Il y a longtemps que je n'en fais de Dieu, donc j'ai tout vu les gens. Amen. Il faut prier pour tomber si bon quelqu'un. À l'église, là. Pour tomber si bonne personne. Hein. Sinon, si tu es tombé, si tu sors chez toi, tu es mort. Ils vont tout te détruire. Amen. Amen. Oui. Moi, j'ai connu ça dans ma vie. Donc, je suis mieux placé pour vous parler de ça. J'ai connu ça dans ma vie. J'ai connu ça. Mais comme c'est la mère de mon fils, je n'ai pas voulu trop rentrer dans son image. Si j'ai connu ça. Eh bien, quand tu vas à la maison, elle te montre qui a mis sucre d'orange. Elle va te montrer ici qui est sucré là. Qui a mis des galas, elle te montre ça. Tu vas t'étonner. La suite dit, Seigneur, Seigneur ça. Tu peux mourir à cause de ça. Moi j'ai connu ça. C'est pour ça que vous venez ici aller doucement à nous. Amen. Vos vraies natures à montrer ça. On va voir si on peut vous délivrer,
si on peut enlever ça dans vos bouches, lance-roquette là, si on peut vous délivrer. Amen. Mais la femme, elle est merveilleuse. C'est le plus gros don. Si vous voyez un grand homme, c'est la femme qui le fait. Obama, là, Obama, c'est sa femme qui l'a fait. Il l'a fabriqué de toutes pièces. Il lui met en parle, il témoigne. Le jour où tu tombes sur une bonne femme, tu rentres dans ta destinée sans problème. C'est pour ça qu'il faut prier en tant que femme. Tu dois être la femme idéale. Amen. Amen. Idéale. De toute façon, tu pries pour que ton enfant. Parce que l'homme, c'est comme ça. Quel que soit ses moyens, quel que soit ce qu'il est, c'est la femme. Devant la femme, il n'est rien. Vous avez ça, ouais? Hein? À minuit, 2 heures, il est derrière clôture. En temps normal, quand il dit passe là-bas, il y a des sorciers, il y a des braqueurs. Il y a chien. Mais il s'en fout des chiens à minuit. Il est derrière clôture. Il a la capacité de calmer le chien. Milou, un sorcier. Mais en temps normal, là, il ne peut pas. Vous avez dit que ce qui est en vous là, c'est trop fort. Dis amen. Amen. Oui, c'est trop fort. Or, ce qui va intéresser les gens qui sont mystiques là, c'est le bonheur qui est en toi, les yeux, il jette. Quand les gens vous regardent là, c'est votre bonheur là qui les intéresse. Vous voyez, chacun a une étoile. Or, c'est ça qu'ils guettent. Ils guettent et puis ils viennent, ils prennent ça, puis ils gâtent. Maintenant, tu veux te marier, il n'y a pas. Tu te poses la question. Ils ont déjà pris. Ce qui était bon là, qui a attiré les gens là, ils ont pris son pâté. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Donc, il faut, là où tu es arrêté là, il faut t'arranger. Hein? Il ne faut pas sucre. Les choses vont quitter en toi. Ton flot qu'on t'amène à l'église, Seigneur, tu vas mettre du temps. On m'a bien saisi. Amen. Les gens ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas. Or, pour avoir une bonne chose, il y a un prix à payer. Vous avez vu, vous avez vu quelqu'un qui rentre dans une bénédiction sans prix? Non. Tu ne payes pas le prix, ça, tu payes la chose. Il y a un prix à payer. Vous aimez les bonnes choses, non? Et le prix. Jésus, même pour nous sauver, là, il a payé le prix, c'est donné en sacrifice. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Donc, je disais comme ça, un mot, laissez-le après des faits, des faits, là. Laissez ça encore pour faire pour nous, c'est bon, hein? Voilà. Non, non, c'est pour les papas, laissons pour nous, là. Amen. Amen. Pour les mamans, là, c'est bon. Quand ça vient, il faut qu'il y ait beaucoup de bruit. Parce que la femme, non, c'est trop. Amen. La femme encaisse beaucoup. La femme, c'est un trésor. Amen. Que Dieu nous aide à aimer les femmes. Si Dieu t'a mis donné une femme pour l'aimer, il faut vraiment l'aimer. Et puis chaque matin, lui donner des milliards. Je t'aime ces milliards. Demandez à n'importe quelle femme. Pour l'amener dans la maison. Pour lui donner des millions. Tu es bizarre, elle va toujours en train de pleurer. Donne manger, jama, chepke, pizza, tout. Tu dis pas je t'aime. C'est dangereux. La seule qu'on doit donner une dame, quand tu te lèves le matin, tu la regardes droit dans les yeux, tu lui dis je t'aime. Elle va te donner un sourire. Le sourire là, elle va aller au marché. Tu connais ce qu'elle va mettre en sauce. Elle ramasse tout ce qu'il y a là-bas. Follow, poisson thon, poisson main. Tout le monde est étonné. Mais c'est bon. Elle doit être rassurée qu'elle est dans les bonnes mains. Amen. Oui, il faut rassurer ta femme. Amen. Amen. Il faut la rassurer. Parce que la femme, tu vois, elle est faible. Elle a besoin de protection. Il faut la protéger. Pour dire qu'elle ne s'est pas trompée, elle n'a pas commis l'erreur d'être avec toi. Amen. Amen. Voilà, vous commencez, si je ne pouvais pas t'en foutre, t'entraîner. Il y a des gens qui sont maso. Ils aiment maltraiter les femmes. C'est pas bon. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les femmes? Il y a deux semaines de cela, il y a une des filles qui me disait, ah, le vieux, j'ai fait parler à cause de toi. Hein. Les gens ici, les gens gâtent ton nom. Non, on dit non, tu es féticheur. On dit non, tu n'es pas un homme de Dieu. Je lui ai dit, tu as fait parler pour moi. Elle dit, j'ai fait parler. Je lui ai demandé, tu connais le nombre de chrétiens sur la terre? Elle dit non. Elle dit, ah, je comprends. Les bouddhistes, là, ils sont plus nombreux que les chrétiens. Vous savez ça? Hein? La plus grande religion au monde, c'est Bouddha. Vous savez que les bouddhistes ne croient pas en Dieu? Non, ils ne croient pas en Dieu. Jésus, Dieu n'existe pas. Vous savez ça au moins? Oui. Ah! Ok.
Après les bouddhistes, il y a quoi d'autres religions, que ça vient des musulmans. Et puis nous les chrétiens, là, on vient après quatrième position. Et puis nous les évangéliques, là, on vient dans sixième, comme ça. Je n'ai pas les vrais chrétiens, je n'ai pas les nyani nyani. On est dans sixième. Ok. Donc, il y a la vie. Quand tu étudies, là, il y a plus d'enfants de Satan que de Dieu. Oh, moi, mon travail, j'ai fait là. Je commande à papa. Elle m'a dit, j'ai dit oui, hein. De toute façon, toi, tu m'as défendu là. C'est pour ça que je défends le papa. Ah, tu m'as bien saisi. Toi, tu me défends, non? Et si ils disent que je suis dans le vrai, les gens vont venir, ils vont se faire délivrer. Hein? Et puis, on continue à manger. Oh, à cause de moi, ils ne mangent plus. À cause de moi, depuis le mois, depuis décembre, jusqu'à maintenant, il y a plus de 300 personnes qui ont commencé à visiter l'Afrique. Les Camerounais, les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens qui sont venus en train d'investir. J'ai le nom. Ils veulent partir, je prie pour eux, pour bénir. Je leur ai encouragé de venir investir en Afrique.